Allô, Madame Tremblay? Bravo pour votre programme. Vous êtes vraiment. Merci. C'est vrai? C'est tout à fait vraiment. OK. Vous êtes bien gentil. Merci. C'est ça, hein? Oui, ben j'espère que c'est ça. Ben, c'est... Bravo! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, dit-il en tirant la table. Les gens l'ont pas vu! Ils l'ont entendu même pas! OK. Merci aux techniciens, Jean-Claude Mémus, Tico de Pépus et le grand Famus. C'est fameux. Fameux le Famus. Monsieur Famus. Monsieur. Hey, voici le pitre qui change le chapitre diégétique. Votre itinéraire a engagé Rénal Gagné. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Tu l'as déjà dit, c'est à l'envers! C'est pas vrai. Depuis quand l'émission est à l'envers? Depuis maintenant. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Attention! Facebook veut manipuler vos informations. Oui. Facebook, là? Oui. Attendez. Vas-y, dis oui. OK. Attention. Oui. Oui. Facebook, là? Oui. Tu sais ce que c'est que Facebook, toi? Oui. Tu sais, les amis Facebook, là? Oui. Tu dis oui, je suis un ami Facebook, là? Oui. Tu peux pas dire non, j'aime pas ça. Faut toujours aimer ça. Oui. T'aimes-tu ça, toi, Facebook? Oui. T'as pas le choix d'aimer ça, toi, hein? Oui. On te l'a obligé, hein? Oui. Ça, c'est du calcul mental. Oui. Tu connais ça, toi, le calcul mental? Oui. 1 + 1. Oui. Allô? Monsieur? Oui. 1 + 1. Oui. Voyons, on a mal. Il est dame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il dit 1 + 1, oui. C'est quoi, c'est de l'algèbre? Monsieur, c'est de l'algèbre, ça? Oui. OK, je vais jamais... Je tiens à vous dire, là, moi, que je suis en création littéraire. Oui. Oui. J'ai enlevé la parole avant, excusez-moi. Oui. Je suis en création... C'est écrit... En création littéraire. Oui. Laissez-moi finir, monsieur. Allô? Facebook veut manipuler. Non, non, là, j'étais fâché, mais je me défâche rapidement, là. Oui. Oh, j'irai pas vous tabac, vous féliciter. Oui. Non, oui. Oui? Oui. OK. Facebook là, veut manipuler vos informations. La cassette est brisée. Ah, non, t'as arrêté, je suis bloqué. Montre-moi au deuxième, Rita. Mais j'ai de ma vie noble des mots. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est revenu. Allô? Oui. Bon, OK. Hey, ça fonctionne plus, monsieur. Oui, ça fonctionne. Comment ça? Donc, ça glisse en dessous. Oui. On se calme. On regarde le ciel. Hey, c'est beau, hein? Il y a des nuages. Il y a la lune. Oui, il y a ma langue qui essaie de toucher. Ben oui. OK. On s'est reposé, là. Ça va bien? OK. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Vous connaissez ça, vous, des extraterrestres? Oui. En avez-vous déjà vu? Oui. Des gros qui puent? Oui. Ah, c'est pas des extraterrestres, c'est du vrai monde. Oui. Ouais, non, il y a eu une censure, hein? On a le couteau de la censure, madame, oui. Non, c'est des ciseaux. Elle c'est pas au couteau, c'est au ciseau. C'est une ancienne tricoteuse. Hein? Fait que, on lui a demandé, c'était une offre d'emploi. Demande une femme ou un homme, là, mais pour couper. Donc, les femmes savent très bien couper les tissus. Ouais, non, ils vont dire, tu rentres les... Non. Tu rentres les femmes dans un catalogue, dans un livrette, dans une revue. Une livrette?
Arrêtez-vous. Mais non, c'est pas ça, là. Non, mais on sait que les femmes sont habituées de couper, là, dans de, oh, t'as trop dépensé, Robert, là. Il faut acheter du lait pour le petit. Oh, on va couper sur ton économie. Non, c'est elles qui tiennent le budget, là. Puis pas de femmes, là. Pas de compréhension budgétaire, économique. C'est elle qui gouverne tout ça, moi, là. Je lui donne ma paye, puis arrange-toi avec ça. Puis, il y en a vraiment assez. Fais des heures supplémentaires. Là, à un moment donné, c'est bien beau faire des heures supplémentaires, là. Je rentre un soir à l'improviste parce que c'était pas prévu, là. Bien, j'espère que c'était improviste, pas prévu. Non, mais dans mon cas, c'était pas prévu. Bien, non, c'était à l'improviste. OK. Poursuivez pas, vous, là. Je raconte l'histoire. Les gens savent que là, tu l'as surpris avec un autre homme. Hein? C'est ça. Vous l'avez lu dans les journaux? Ben non, c'est vieux comme le monde. Là, t'as trompé. Trompe. C'est ça. Puis là, elle s'est acheté un poisson rouge. Ben. C'est ça. Puis là, elle veut te tenir avec ça, puis elle veut que tu le dompes. Hein? Ben, elle veut que je fasse un poisson de cirque avec ça. Avec qui? Avec Galilula. Galilula. Ça, c'est le nom du poisson. Galilula. Galilula. Ben, Galilula, c'est pas de ma faute, c'est elle qui l'a nommé Galilula. Parce qu'elle m'a dit, quand tu vas être plus tard dans la nuit, c'est plus facile pour toi de dire, allô, Galilula. Puis là, je trouve que quand je le dis, c'est pas très rattachant, là, Galilula. C'est comme, Alléluia, Alléluia. Les gens vont appeler à Arénal Québec à commercial@gmail.com. Qui appelle, il n'y a pas de numéro. Oui, oui. Ben, il y a un numéro électronique. Non, non, c'est un courriel. Un courriel. Les gens vont courrieler. Cours-y, yélé. Vas-y. T'es ouélé, je suis ouélé dans le yélé, mais. Allez-y. Rénal Québec à commercial.com. Rénal Québec à commercial.com. Appelle-moi Rénal. R-A-Y-N-A-L-D. Q-U-E-B-E-C à commercial. Hotmail. H-O-T-M-A-I-L.com. C-O-M. Là, dites-moi ce que vous pensez. Moi, là, je vois que Saturne est sous Capricorne. Okay. Attention, monsieur, êtes-vous encore là, vous? Oui. C'est merveilleux. OK, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher. S'ils viennent vous chercher, allez-vous être prêt? Oui. Tout propre? Oui. Rasé de près? Oui. Avec le shampoing numéro 1 en ville? Un état très, très puéril. Puéril. Vous cherchez, ils viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Serez-vous soumis? Oui. Hey, c'est un Québécois. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, attendez, j'ai le livre, mais où est Popeye? Popeye, le marin, non, pas le livre, j'ai le livre. Le livre, c'est pas le livre d'Olive, là, quoique, peut-être c'est son livre de chevet. C'est ça, mon Olive. Lâche-le. OK. Je prends ça au hasard. Normalement, c'est déjà prescrit. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait rien de. Il y avait rien. Rien ne tient. Ça tombe bien, c'est le but de l'émission. Hein? Tout monte, tout descend, rien ne tient. Il a secoué sa gueule de bois et il est sorti du lit. C'était eux, la femme et l'enfant. Il a ouvert la porte. La gosse est entrée en courant. La mère suivait. Il manquait juste le caniche. Ah merde, j'ai oublié le titre. J'ai oublié le caniche. On ne pourra jamais savoir le titre. J'ai oublié le caniche. Ben oui, t'as oublié le caniche. On n'aura pas le titre. Hey, le caniche. C'est t'as l'air d'un caniche. Garde-moi ta coupe de caniche. Ben oui, oui. Moi, je suis prêt à recevoir des prix. Ben oui, ils t'ont quoi? Ils t'ont permanencé. Oui, c'est plus permanencé. C'est quoi ça? Permanencé. Permanenté, oui. Permanenté, tu sens la peppermint. Ben voyons. Après un grand coup de peppermint,
je me suis rapproché d'Ofterman, l'homme qui en savait rien. Rien à l'amour que j'avais pour la Jane qui? Jane Robin. Oh mon Dieu, pas elle. La Robin. Elle sentait. La Robin. Jane Robin. Oh, et puis? Et puis, il y a l'autre. Des carottes dans les cheveux. Hein? C'est qui ça, monsieur? Êtes-vous là, monsieur? Oui. Vous la connaissez, Jane Robin? Oui. C'est pas la femme de Serge Robin? Oui. Serge Robin n'est pas mort? Oui. Il est mort de la Robin? Oui. OK. C'est pas lui qui a été investigateur de la provocation? Oui. Mais là, quand on parle de Serge Robin, là, oui. On parle de la musique qui a enfoncé un clou dans le sarcophage de l'ignorance sociétale. Oui. Fais-tu à nommer, qu'est-ce que tu viens de dire? Hey, toi, mon étudiant universitaire, là, si t'as pas compris, réécoute. Oui. T'as raison, j'ai raison, vous avez raison, nous avons raison. Oui. Au passé simple, c'est difficile, hein? Oui. on s'est épargné quand même la conjugaison au passé simple. Quoique... Prenons un verbe rapidement. Oh oui! Non! Prenons un son. CKRL. Cultive tes goûts.